Bonjour à toutes, bonjour à tous. La réduction de pression ou la limitation de pression. Sur le circuit ci-contre, on va avoir une possibilité de sortir un vérin avec un limiteur de pression principal, taré à 200 bars. Lorsque le vérin arrivera en butée, la pression maximum est de 200 bars, ce qui correspond à un effort maximum disponible. Lors de la rentrée du vérin, on a sur cette première solution une réduction de pression qui est placée sur la tige. Donc côté tige, la pression n'excédera jamais 80 bars et la réduction de pression se ferme. La pression devant la réduction de pression va donc augmenter jusqu'à retrouver la valeur de pression de 200 bars de notre limiteur de pression principal. Inconvénient, une grosse puissance va être perdue si le débit s'évacue à travers ce limiteur de pression à 200 bars. Mais il peut être utilisé pour réaliser une autre fonction. La deuxième solution est de remplacer cette réduction de pression par un limiteur de pression, qu'on appellera souvent limiteur de pression secondaire, car il agit uniquement sur la rentrée de tige de ce récepteur. Donc, lorsque le vérin va rentrer, lorsque la pression aura atteint 80 bars, je vais avoir ouverture du limiteur de pression secondaire. Et donc, le débit va s'évacuer par ce limiteur de pression à 80 bars et cette pression sera disponible jusque devant le limiteur de pression principal qui était taré à 200 mais qui ne s'ouvrira pas cette fois-ci. Donc la puissance perdue par évacuation du débit à travers ce limiteur de pression secondaire est seulement faite sous une pression de 80 bars. C'est donc plus économique. Mais vous ne pourrez pas faire de déplacement sur une autre partie de circuit avec plus que 80 bars.